Tilou, bienvenue, welcome avec Taz Killer 85. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Salut Charles. Si tu me regardes, oh les pauvres, elles sont coincées dans le train. J'espère qu'elles vont s'en sortir. Mon Dieu, quel suspense. C'est pas comme si on l'avait vu quatre fois. Bref, aujourd'hui, je voulais pas vous faire une vidéo de n'importe quoi. J'attends des produits, donc j'allais pas vous refaire des choses qu'on avait déjà vues. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo cadeau aujourd'hui. Alors, première chose, bien sûr, il va y avoir le tirage au sort pour le concours du Ludilab. La vidéo du Ludilab. Donc, je vous rappelle qu'il y avait à gagner la casquette du Ludilab avec également une heure d'activité au choix au Ludilab, que ce soit de la réalité virtuelle ou du drone, hein, de l'initiation ou du simulateur. Bref, il y avait une heure d'activité plus la casquette à celui qui me trouvait le premier la phrase qui était sur le mur du Ludilab. Et c'est Lordef. Bien joué, Lordef, tu as été le premier. Je l'ai marqué dans les commentaires de la vidéo, dès que tu me l'as dit. D'ailleurs, tu as été le premier à me donner la phrase « Reality is just a point of view ». La réalité est juste un point de vue. Donc voilà, Lordef, tu as gagné. Donc la casquette du Ludilab que je t'envoie très vite. Hein, on va se contacter en MP pour tes coordonnées, ainsi que l'heure d'activité. J'espère que tu pourras te rendre au Ludilab, un de ces quatre. Et sinon, il y avait également à trouver le nombre de logos que j'avais lancé, logo du Ludilab, logo où en incrustation on voyait ce fameux Y là, et vous n'avez pas été si nombreux que ça, vous vous êtes fait avoir comme des bleus, j'ai envie de dire, parce que les 3 quarts, même les 4 cinquièmes d'entre vous ont répondu 18, et c'est vrai que si on ne fait pas attention, on en voit 18, même certains bien cachés. Donc bravo déjà à tous ceux qui ont vu les 18, ça veut dire qu'ils ont bien regardé la vidéo, mais vous avez oublié, mais, qu'est-ce que je l'aime ce mais, vous avez oublié le premier, c'est le logo qui est en incrustation quand je mets Ludilab en incruste en entier avec le logo au milieu qui va se mettre sur le côté et qui ensuite disparaît. Vous avez pratiquement tous oublié celui-là, donc il y en a quelques-uns qui m'ont mis 19, bien joué les gars, vous me connaissez. Donc, et ben écoutez, à la fin de la vidéo, là je vais vous parler d'un autre truc, et à la fin de la vidéo, le tirage au sort pour remporter les deux petits Xiaomi Mi 2. Voilà, parmi ceux qui m'auront répondu, 19 logos Ludilab. Désolé, c'était compliqué, c'était un petit peu tiré par les cheveux, mais moi j'aime bien ça. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil, c'est des cadeaux, alors ça suffit. Là. Bref, si c'est trop simple, c'est pas drôle. Aujourd'hui, nouveau concours, voilà, j'ai envie de vous faire un cadeau, j'ai envie de vous aider à vous initier, et pour ça, je vais vous faire cadeau, non seulement de la radio commande iRange X, la IR8M, t'as qu'à lire si tu sais plus, que j'avais modifié, donc on aura une antenne ici que j'avais rajouté dessus. Donc je vous offre cette petite iRange X, bien sûr pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je mettrai ici le lien de la vidéo, vous pourrez aller voir. Alors elle est prête, elle est paramétrée pour un drone, je vous laisserai les autres drones à l'intérieur, tac, je vais vous l'allumer tout de suite. J'avais programmé 2 à 3 drones, je ne sais plus, à l'intérieur, on va faire entrée, menu modèle, config modèle, charger. Alors j'ai un simulateur, un QX90C Pro, le Shark Mako, le CX95S, le VFly 150 et après c'est libre. Aujourd'hui on va s'intéresser au CX95S, ici je valide et je vais aller tout de suite sur appairer. Voilà, il est en DSM2, vous savez que cette radio est multiprotocole, parce que je vous offre aussi le petit CX95S, comme vous voyez, il a très peu tourné. Donc là, il n'est pas abîmé, c'est moi qui ai coupé ici pour pouvoir installer différentes tailles de batterie, tout simplement, de 400 à 500, 550 mAh. C'est un 1S, donc là, pareil, tac, je vous mettrai la vidéo du CX95S pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et en fait, moi, je vous fais cadeau de ces deux petits joujoux-là, tout simplement. Ça vous permettra de vous initier soit au vol à vue, soit au vol en FPV. Pour vous montrer qu'il fonctionne, bien sûr, je vais vous le montrer, je vais faire un petit DVR rapidement, on va aller faire une petite balade dans la maison.
Sinon, qu'est-ce que je vais vous dire là-dessus? Je vais vous expliquer tout de suite comment vous allez pouvoir remporter ce petit chose-là. Ça va être super simple cette fois-ci. J'ai envie de faire un cadeau à mes abonnés et à ceux qui me suivent généralement. C'est pour ça que j'ai pas marqué concours dans le titre de la vidéo, pour pas attirer les curieux. Le CX95S, il a une particularité. Hop, je vais choper la batterie. Ici, donc bien sûr, je vous l'enverrai avec la batterie qui a servi un peu, hein. Donc je vous mettrai en lien dans la description pour ceux qui veulent des batteries supplémentaires. Donc la batterie se glisse tout simplement ici, vous pouvez ajouter un élastique pour sécuriser, et ensuite on vient juste connecter, tac, et automatiquement, c'est la particularité de celui-ci, il se met en bind. Donc vous voyez, ça clignote rapidement, je vais le laisser à l'envers, tac, comme ça. Et ici, on va se mettre simplement sur appairer une fois qu'on aura choisi le CX95S, et on fait OK. Et là, il s'appaire automatiquement. On va le remettre droit pour qu'il fasse son calibrage. Voilà. Alors bien sûr, celui qui gagnera, je lui enverrai le dump, ainsi que mes réglages Betaflight. Tac, et puis s'il a des questions, bien sûr, j'y répondrai. Les switches qui vont fonctionner, c'est simplement ici. Hop, la mise en route au premier cran, au deuxième on coupe, voyez. Sur celui-là, je n'ai rien mis à part le buzzer. Il est programmé pour le buzzer, mais il n'y en a pas sur celui-ci. Là, vous aurez les trois modes de vol. Donc stabilisé, horizon et accro. Et là, on a les trois vitesses de programmer sur ma radio, bien sûr, comme à l'habitude. Donc là, hop, un petit décollage à vue. Tac. Le petit CX95S, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il marchait plutôt bien. C'est un bon petit joujou pour s'initier. Tech ! Raté. Allez, je garde le reste de batterie pour faire un petit vol. Qu'est-ce que vous devez faire ? Allez, je le mets en route, on part en FPV et je vous explique. Allez, c'est parti ! Mise en route ! Allez, let's go pour une petite balade, simplement pour vous montrer qu'il fonctionne, bien sûr, je vous refile pas un truc tout pourri. Pour l'initiation, c'est plutôt pas mal. Je serais pas en mode... Si, je suis en mode stabilisé, c'est ça. Petite balade dans la chambre. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire pour gagner ce petit CX95S? Eh ben, écoutez, ça va être tout simple. Alors déjà... Vous allez liker la vidéo, c'est indispensable. Si vous ne likez pas, vous ne pouvez pas gagner, même si vous êtes tiré au sort. Ça, c'est clair et net. On a assez insisté là-dessus. C'est moi qui me fais engueuler quand vous ne le faites pas. Oh ! Où vais-je ? Oh là, j'ai la batterie qui pendouille. Je le sens, ça fait blop blop. Attendez, je reviens. Et je me pose. Hey, hey ! Tac ! Donc, je vais rajouter un petit élastique. Tac ! Juste pour sécuriser. Je me disais, je trouvais pas ça normal que ça bouge comme ça. Alors donc, qu'est-ce que vous devrez faire pour gagner ce petit CX95? Eh ben, c'est tout simple. Non seulement, vous allez me mettre un like sur la vidéo, obligatoire, sinon ça marche pas, je vous l'ai dit, et m'expliquer pourquoi vous devriez vous gagner ce petit engin, pourquoi vous le méritez, tout simplement. Et puis je ferai une petite sélection, peut-être un tirage au sort, mais peut-être plus certainement une sélection de celui qui m'aura le plus touché, ou je verrai, mettez-moi juste, voilà, pourquoi c'est vous qui devriez gagner ce petit CX95, et puis je vous dirai à qui je l'offre, tout simplement. Allez, on va se poser, vous avez vu que ça fonctionne. J'ose pas trop aller dehors parce qu'il y a du vent. Ah ah! Ah ouais, il y a vachement de vent, je le sens. Je prends des à-coups. Retour au bercail. Allez, on va se poser. Tech! Hey, hey! Donc voilà les amis, je déconnecte. Hop, je ne remets pas la batterie en charge, vous devrez la charger. Alors bien sûr, avec, vous aurez tout ce qu'il faut. Hein. Hop, vous le savez, je suis assez soigneux. Donc la petite boîte, la petite notice, hop, j'éteins elle aussi. Vous aurez le chargeur pour la petite batterie que je vous fournis avec, ainsi que 4 hélices de rechange toutes neuves. Donc je mets tout ça dans la boîte avant de le casser.
Pareil pour la E-Range X, je vous l'arrange dans la boîte aussi. Et puis, bah écoutez, bonne chance à tous. J'avais envie de vous remercier pour votre soutien, parce que c'est bien beau de vous dire merci, de me soutenir, etc. Donc je voulais vous remercier de votre soutien, et c'est la meilleure façon que j'ai trouvé, un petit kit de démarrage au FPV. Voilà, il n'y a que le masque qui vous manquera, désolé, j'en ai pas à vous offrir pour l'instant, mais en attendant, vous aurez votre petit drone et votre petite radio programmable, qui sont plutôt pas mal, ma foi, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Attention, à la fin de la vidéo, tirage au sort pour les deux petits MeToo. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous dire surtout, bon week-end, portez-vous bien, et à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao! Ah, salut Val!